Salut les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de l'aventure de Zéro. Donc pour ce troisième épisode, j'ai fini toutes les quêtes Astrup, j'ai obtenu le Dofus Argenté, donc vous verrez ça sûrement avant la fin des quêtes du Dofus Argenté, ce qui n'est pas très grave, mais voilà, donc j'ai fini en gros à peu près toutes les quêtes d'Astrup. On va regarder sur ma Sadie, c'est celle qui a fait le plus de quêtes, parce que j'ai fait quelques petites quêtes en plus sur la Sadie, genre Almanax et tout, que j'ai pas sur les autres. Vous voyez, j'ai un petit peu commencé l'Almanax sur Sadie, j'ai 4 pages, bon c'est pas énorme hein. J'ai d'ailleurs oublié de le faire pendant 2 jours, là, je crois, ou juste hier, je sais plus. Du coup, j'ai un petit peu tiré au sort parmi ce que je pouvais faire comme quête dans les quêtes niveau 50. Donc, ça pouvait être Bwork, ça pouvait être Château d'Amakna, Île des Wabits, donc le Dofus Kawot, Port de Madrestam, Province d'Amakna, et les quêtes Sufokia bas niveau, ces deux succès-là. Donc voilà, j'ai fait un petit tirage au sort et c'est tombé sur les quêtes Bwork, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est bien, c'est que je les fais maintenant parce qu'elles sont très chiantes ces quêtes. Et ce qui est chiant, c'est que je les fais tout court. Mais voilà, bon, ça m'en rapporte pas énormément. Il n'y a que 2 succès, encore heureux d'ailleurs. Peut-être la prochaine refonte, hein, les quêtes Bwork. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait ça. J'ai fait 5 quêtes. A savoir que ces quêtes-là sont très faciles, très rapides. Honnêtement, franchement, il n'y a quasiment aucun souci pour ces quêtes-là. Je suis plus concentré sur celle-ci. Là, je suis en train de faire celle-ci qui n'est pas trop difficile, mais celles d'après vont être un peu plus chiantes. Notamment une où il faut aller dropper dans des trucs chelous, enfin, ça fait n'importe quoi. Il va falloir que j'aille taper des trolls, quoi. Enfin, ça va être la merde. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais filmer un petit peu les combats parce que je dois dropper des bières de bois. Je remercie, je sais plus qui, mais il y a quelqu'un qui m'en a filé 200. Et j'ai un petit peu fouillé mes comptes, j'en avais 250, donc ça m'a évité pour une quête où il en fallait 97 par perso, ça m'a évité de drop. Bon, par contre là je suis obligé de drop pour la suite. On va essayer de faire les challenges, même si c'est un petit peu chiant, parce que mine de rien, elle XP pas si mal cette zone là. Donc pourquoi pas se faire chier à faire les challenges après tout. Je pense pas que je vais me booster maintenant hein. On va se faire avancer un petit peu comme ça, hop. Voilà, tous mes persos sont en mode chuchivant, sauf la crabe, parce que j'aime bien c'est Dandgoul, je crois. J'aime bien la Dandgoul, donc je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Sur le Sadie, j'ai débloqué la ronce agressive. La SRAM, peur. Bon, peur par exemple, pour l'instant c'est un peu de la merde, mais j'ai un petit peu débloqué des sorts, donc c'est toujours ça de prix. Hein. C'est toujours ça de prix, on va dire. Bon, le chat va être un peu relou, mais vu que ça XP bien, pourquoi pas. On va juste se protéger comme ça, tranquille. Histoire de... J'espère qu'il n'y a pas qu'il y ait le piège. Mais c'est bon. Voilà, il faut espérer qu'ils avancent, hein, les machins, parce que sinon, on n'y est pas encore. J'ai le temps d'avoir des lignes de vue et tout. Heureusement, j'ai la flèche arsante, mais l'APO a été grave nerf. Là, je vais pas l'atteindre, d'ailleurs. Prochain tour, je les aurai, donc je vais me booster maintenant. J'ai débloqué la flèche destructrice, ce qui enlève 20 dégâts, donc hein, ça, c'est pas ouf. Donc pourquoi pas lancer une punitive, on sait jamais, l'occasion de faire quelque chose avec. Puis on va mettre une petite sacrifiée. Avec un peu de chance, elle ne mourra pas avant de péter. Quand j'étais bas niveau, la sacrifiée, niveau point de vie, elle tenait bien contre les mobs. Là, bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué de rester en vie maintenant. Ouh là là, gros move du Bwork. Une cupie. On va chance aussi. J'ai débloqué Pelle du Jugement aussi sur la nuit. Faut que je trie mes sorts là parce que j'ai commencé à avoir des sorts qui vont être en page 2. Qui sont peut-être mieux que certains autres. Donc il va falloir que je commence le petit tri. Bon, ça va être autour de la Cra. Donc qu'est-ce qu'on focus? On va focus lui là. Ce petit con. C'est toujours ça de pris comme dégâts. Hein. Peut-être que la. Ouais, la Sadie devrait pouvoir le finir là. Hop. Une petite ligne de vue. Oh lolo. Tellement de dégâts cette Sadie là, le crit à 270. Voilà, donc pour cet épisode, un petit peu de drop, je finirai peut-être la quête avec vous. Pour le prochain, je pense que là. Alors je finis le combat et je vous montre un truc. Et vous verrez un petit peu de quoi je veux parler. Pour l'instant j'ai aucune ligne de vue, je peux pas faire grand chose à part des roulages de pelle à 19. À 21 ouais. Et 19. Ça va. Pas de joli. Il tue ma sacrifiée, mais il se met en ligne pour que je le défonce. C'est vraiment la cra avec sa flèche
De recul, elle fait très mal. Voilà, moins 349. Hein. Easy. La craft fait beaucoup de crit, hein, en vrai, elle a pas mal de coups critiques. Bon, ça semble pas énorme, mais c'est pas si mal que ça. J'ai 39% quand je lance tir critique. Ce qui est pas si dégueu que ça, en vrai. Est-ce que j'ai une ligne 2 quelque part? Ouais, tu m'étonnes. J'ai vraiment cru que j'allais avoir une ligne 2, vu là. Le mec est un peu naïf. Quoi. Bon, par contre, lui, au prochain tour, il va mourir. Il y a la cra et... Voilà, je vais pouvoir commencer à les taper. Ça va être un petit peu mieux. Ah, l'élu va pas pouvoir. L'associatif va pas pouvoir finalement. Il m'a bait le mob. Non, c'est pas grave, on va taper lui. Est-ce qu'on le tue? Oh putain, il faut chier eux. Hein. Ça va foutre, hein. Vraiment des gamins. Hein. Je tue jamais, je peux booster. Oui, je fais beaucoup de crit. Hein. Pourtant, j'ai quoi? J'ai 19%, je crois. Je fais plus de crit que quand j'étais à 80% sur mes anciens comptes. Quoi. Mais ça m'étonne pas de ce jeu. Hein. Bon, la sacrifiée n'aura pas survécu, tant pis. Est-ce que je peux faire un autre sort là? Pas vraiment. On va mettre un petit arbre par là-bas. Que je vais vouloir aller le taper, le bork. Normalement, oui. Hein. La SRAM. Là j'ai une ligne de vue, mais est-ce que j'ai la PO? Non. Il est pas allé taper l'arbre alors qu'il pouvait. Bon, ça c'est pas grave, hein, mais... C'est chelou, lui. Putain, ça enlève 3 PM, cette merde? Ah ouais. Ok. Et puisque mon élu a beaucoup de sagesse, elle en a... 140 je crois. Plus un trophée retrait PM, du coup je dois être à peu près à 30 de retrait PM. Ce qui est pas si dégueu que ça à ce niveau. Bon là ça dit. Ouf, putain, il vénère lui. Rien de grave. Hop. On va taper le boire qui est là. Je devrais finir avec la SRAM sans trop de soucis normalement. Ah, ils sont vénères, hein. Ah, mais ils doivent taper sur mes faiblesses. Ouais, c'est pour ça. En vrai, c'est des merdes. Piège de masque, il vient quasiment rentable. Hein. Mais toujours pas. Toujours de la merde. Bon, on va éviter de gêner une de vue. Je vais remettre un sac sur eux, parce qu'ils prennent cher, en vrai. Ça va tuer lui, là. Hop. Ouais, ça devrait bien XP hein, ce combat là. A mon avis, ça va être plutôt sympa. Par contre, ils sont chiants là, à s'échapper. Elle est là, je crois. Du coup, j'en ai pas. Je fasse un tir éloigné. On va continuer lui. Ah bon, on va le finir même. Hop. Tranquille. Là, c'est... on va remettre une gonflable pour être bien soin. On va se régénérer dessus. Vous voyez, franchement, la Sadie, je la trouve vraiment super stylée. Je pense qu'en PVM, à partir du moment où j'aurai force de la nature, ça va être n'importe quoi. Vraiment. À mon avis, ce sera ouf. Bon, la Sadie qui commence un petit peu. Ah, si on s'approche un ou qu'il serait toujours pas mort, mais à mon avis, là, je devrais le finir tranquillou. J'ai l'arsenal de dispo. Après, il pourrait reculer. S'il recule. Non, il recule pas, il me laisse même une ligne de vue. Donc, fin du combat. Alors, est-ce que ça va bien XP? Ouais, quand même, ça va. 124 000. Franchement, en sachant que je suis plus là pour drop, c'est pas dégueulasse. Hein. Je suis vraiment pas là en mode, ouais, j'ai envie d'XP. Il m'en faut 40 à peu près, donc il y a encore deux combats et c'est bon. Un peu moins de 40, mais... On va en faire 40. Ouais, la Sadie qui va bientôt up. L'ennemi est passé devant. L'ennemi est passé devant la Sadie. Il y a des jeux d'hier déjà. Et du coup, avec la Sadie, je voulais vous montrer un petit peu ce qui sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc vous voyez, j'ai plein de captures. Donc tournesol affamé. Bon, ça, ce sera... Ça, je sais même pas si je vais m'en servir. Je pense que je le ferai, mais... histoire de quoi. Parce que je crois que c'est niveau 200 et quelques. Je prendrai genre un perso et les persos de soupe, parce que soupe a commencé. Enfin, attention, il est niveau 40 en panneau bouffe tout sans que je lui donne rien. Incroyable.
On a des gelées royales bleutées. On a 17 blobs indigo royales. Donc 4 gelées royales bleutées. 6 blobs prénètes royales. 18 scarabosses dorés. Je les ai prises parce que les captures coûtaient 2000 kama. Hein. Je me suis dit, bon, allez, pour 2000 kama, pourquoi pas. 4 chines larves. 6 meubles éponges. Pareil, ça je les ferai soupe en mode solo. 4 bouffetous royales. 9 l'ancien bouffetous royal. Vous voyez les mobs niveau 30. 9 blocs coco royal, 5 blocs griotte royal, 5 borquettes et 12 gelées royal menthe. Bon, j'en avais déjà beaucoup avec les, vous savez, les cadeaux de Noël qui donnent beaucoup. Bah, j'avais beaucoup de trucs comme ça, je crois que je suis niveau 200. Ouais, allez, c'est à peu près mon niveau, on va faire ça. J'en avais donc beaucoup et du coup bah, je me suis dit allez vas-y, hein, je vais en rajouter quelques-unes parce que ça coûtait allez, 2000 kamal chaque truc. Je me suis dit que c'était quand même rentable. Je me place. Hop. Avec la crotte, j'ai poussé lui pour pas qu'il fasse de dégâts. Oh putain, en plus on a un petit tchal là, on est bien. Je crois 296. Bon, il va taper, mais c'est pas très grave. C'est pas comme si ça tapait des masses non plus. Il va me faire un coup à 100, je pense, un truc comme ça. Puis là, moins 200. T'sais. J'aurais une défense. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ok, il est vénère. Attends, on va pousser les nus pour éviter qu'ils se fassent taper. Quand même, hein, on va pas non plus se laisser crever comme des merdes. Donc les nus, on va faire un peu de kick PM. Sur lui et sur David. Ah, je peux en faire qu'une par tour, c'est vrai. Putain, c'est de la vraie merde. Ça, par contre, c'est de la merde. Hein. Je peux faire plus de maladresse par tour pour l'instant. Faut vraiment que ça up vite. C'est quand d'ailleurs le prochain niveau de maladresse? 97. Waouh, bon, ok, il y a le temps. Hein. Est-ce qu'il y a une flèche d'immo? Non. Tant pis. Oh, je vais enlever un PM. Incroyable, le joueur français. Ah, les nuits finissent pas, je pense. Quoi qu'attendez, est-ce que j'ai la PO pour ça, là? Oui. Ah, faut abonger, mais il y a moyen. C'est bon. Ah lui, comment je l'ai bait avec mon truc là. J'ai trop de skill pour lui en fait. Incroyable. Ouah, on va pas se soigner tant pis. Hein. Hop. Ça devrait bien XP, mais pour un moins de temps que tout à l'heure. Ouais, ça XP autant, mais avec moins de temps. Forcément. Franchement, ça XP pas mal. Hein. Moi, ça me faisait chier de devoir drop, mais bon, les combats sont pas si relous que ça. Ouais. Ça va en fait. Tranquille. Ça XP bien. Mon prochain key-up, ça devrait être la SRAM. SRAM encore et toujours le personnage qui a moins d'XP. Là on a un groupe. Est-ce qu'on en a pas un avec plus d'étoiles? On va essayer d'en trouver un meilleur quand même. Il y a celui-là, attendez pour voir la map pour celui-là. Ouais, la map est plus. Je pense que je peux gérer mais j'ai la flemme de galérer là-dessus. Je pense qu'on va faire celui-là en dessous. Enfin d'abord on va commencer par lui. Après on fera celui d'en dessous puis ça devrait être bon. Je devrais avoir assez de trucs. On est à combien de temps là? Bon on est à 13 minutes ça va. En vrai, dites-vous que c'est la première fois que vous voyez des quêtes drop, des quêtes bois, enfin des... Que je sois au bois sur mes vidéos, c'est incroyable. Ah, la crâne ne peut pas utiliser flèche magique, faut que je fasse gaffe parce que je foire souvent à cause de ça. Hop là, petit quoi 320. Oh putain, il y a un bourg mage, incroyable. Mais je vais peut-être avoir le succès là. Putain! What? Il vénère le machin haut. Faut se calmer, hein. C'est des fous les mobs, hein. Que la musique est pas trop forte, enfin qu'elle couvre pas ma voix quoi. Même la SRAM elle commence à bien taper n'empêche.
Bon, écoute, on va se mettre un sac parce qu'on a quand même pris cher avec le tofu. Hein. On va le commencer parce qu'il casse le couille. Il se barre en plus. Oh là là, la équipe qui a up! En vrai, elle a up hier ou avant-hier. Ça up vite. Ah ouais, on a des gens à 90% d'XP. Moi, je suis à 0%. Faut pas déconner. Alors, je vais aller tuer l'autre là-haut. Là. J'adore cette croix. J'hésitais à la faire feu, mais franchement, R, c'est pas si dégueu. J'ai hésité, ouais, est-ce que je fais la craft feu ou pas. J'ai dit, bon, allez. Ça va changer un petit peu. Je fais tout le temps des craft feu à bas niveau. Donc, R, ça nous changera un peu. Puis, je pense qu'on aura suffisamment de perso feu. Enfin, on a que les nuits pour l'instant. Les nids, mais. C'est pas très grave, je pense. Genre. En fait. Je sais pas trop comment dire, mais. La team à bas niveau, c'est pas important d'avoir un mec qui tape dans tous les éléments. C'est bien, par exemple, pour certains donjons, mais. Et encore, hein, c'est pas. À ce niveau-là, c'est pas indispensable non plus. C'est seulement 30%. Hein. 97 000 XP quand même. Un petit succès work. 140 000 hein, mine de rien. Ça donne des bières. Non. De PD là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous m'en donnez même pas une seule. Et la SRAM qui a peut-être top, non? Non. Prochain combat normalement. Là, si on fait un petit chal, ça devrait passer. Alors qu'est-ce que je voulais voir? Combien j'ai de bières là? 29. Ah, mais ça va même pas suffire en vrai. Il m'en faut 36. J'en ai 33 donc ça suffira. 36 elle c'est bon. Ouais si je pourrais drop sur mes autres persos. Parce que j'en ai un à 29 mais. Ça ira tranquille. Je lui dropperai deux bières. Et puis on sera bon. Après je sais pas si j'en aurai encore besoin pour les autres quêtes. Je crois pas, hein. Je crois que j'ai. Je crois que c'est bon. Hein. Alors que c'est les couilles. Ça a l'air d'être rare les Bourkmas, je suis tombé sur un seul dans tous ces combats. Hein. Ah, on a un chal un peu chiant. On va le faire quand même. Même s'il est chiant, il est easy. En soi. On se la craque taper au pire. Hein. Ouais, on va avoir la Sadi qui va taper. Juste les nuls, tapera pas du tout, je pense. Elle boostera. Ah, il va pas me taper lui. Ouais, je vais le garder là, de toute façon. Je vais me mettre un sac. Je vais peut-être éviter Cupi. Ouais, allez, vas-y, c'est bon, il n'y a pas des tafioles. Comme si on allait se faire tuer par des works. Ça va, hein, 2 secondes. Faut se calmer, hein. Regarde lui, il a 390 HP, il se prend 2 ronds s'il est mort. Oh putain, c'est lequel que j'ai tapé avec la craie. Alors, attendez. Je crois que c'est lui, hein. Mais je suis pas sûr. Ok. Putain, ça fait chier ça. Pas taper. Au moins je le tue si je fais 2 bons jets. Ouais. Et puis les autres persos ils ont qu'à passer hein. Pourquoi que je vais soigner un petit peu. Hop. On va lui enlever PMPO pour pas qu'il parte trop loin. Peut-être qu'il tapera pas non plus. Ouah, 300. Il se défoule les mobs. Bon, ok, j'ai des faiblesses R, mais putain, c'est vénère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soins? Écoutez, on verra. Ouais, la SRAM un peu. Vite fait. Bon, ça c'est... Quoi? Mais non, je suis trop con, putain. Oh là là, je croyais que c'était la SRAM qui avait tapé. Je suis vraiment un connard. Hein. J'ai foiré un chat, hein, 60%.
Bon, c'était sur qui me manquait C'était sur elle, je crois. Hein. Ouais. C'était qui en avait déjà. Non, je crois que c'était la Sadie. Oula, il va falloir que j'aille me vider en banque, j'ai plus de potes. Bon, tout le monde en a 36. 38. Elle en a 39. Et lui, il en a 38. Alléluia. Alors, on a la pause qui est juste là. On va y aller, puis après je mettrai fin à la vidéo tranquillement, une fois que j'aurai fini la quête. Hein. Ah, c'est sûr que ça change du contenu habituel. Hein. Est-ce que vous m'avez déjà vu taper des boards, les gars? Je ne pense pas. Même sur mon Upper et mon Helio, j'avais pas eu le courage de faire les quêtes boards. Je les avais faites que sur la roue. À l'époque où vraiment j'étais à fond dans les succès, je les avais faites sur la roue. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes. Voilà, j'ai fait un peu toutes les quêtes chiantes, genre Frigost. Bon, les quêtes de Frigost, elles sont un peu reloues. Hein. Pas les quêtes principales, mais les quêtes secondaires sont très reloues à Frigost. En tout cas, ça va, ça s'est passé tranquille là, mon petite phase de drop. C'était pas chiant, j'ai un petit peu XP. J'ai pris un niveau sur tout le monde, sauf la SRAM. Ouais, la SRAM elle va up là, même, en finissant la quête, je vais up. Donc, c'est très grave. Je crois que j'ai peut-être up en fait, hein. Rendu compte. Je suis combien là? Non, je crois pas que j'ai. Ouais, la Sadie qui est l'ennemi qui est passé devant la Sadie. Je sais même pas si la Kra elle est pas devant aussi. Ah non, la Kra elle est un niveau de mort. Hop, on y est, hop, c'est ici. Peut-être là-dedans. Un mec là. Petit gobelet. Ah, mais non, mais c'est pas ça! Oh putain. Où est le mec qui fait l'échange déjà? J'ai pas un perso sur qui j'avais cliqué. Si on fait juste là, on va rajouter général. Oh, j'avais tapé la mauvaise pose en fait. Parce que c'est pas là. Oh putain, il y a une quête là. Attendez. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je suis astrup, genre vraiment. Putain. Bon, vous savez quoi? On va arrêter la quête là. Et en plus, j'ai perdu 500 kamas. Genre, le mec, il m'a volé en plus. Sa mère. Putain. Bon, je vais arrêter la vidéo là, je vais pas vous montrer la fin de la quête, c'est pas très grave. Ça nous aura fait une petite phase de XP slash drop tranquille. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine fois ce sera sûrement une petite vidéo XP. Peut-être qu'il y en aura plusieurs même sur les bah, au moins les meilleurs XP, ou peut-être sur une compilation. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais voilà, vous aurez un petit peu les pierres de capture pour l'épisode 4. Sur ce, je vous laisse. Si je dois faire d'autres colis, ce sera plus en mode de finir en colis saison 3. Voilà, j'ai trouvé j'ai trouvé une bonne opportunité pour faire ma saison 3 au final. Ce sera plus voilà un fier en colis saison 3 que des épisodes de l'aventure de zéro. Vraiment voilà, pour les prochains colis, parce que j'en ferai je pense. Alors peut-être pas beaucoup parce que pour l'instant je suis en panneau bluff, c'est un peu de la merde hein, pour colis, hein, avoir moins 50% res. Voilà, encore si c'était moins 50% res haut, c'est assez rare d'avoir des mecs avec des res haut, mais. Là pour le coup c'est un peu relou d'avoir les restes que j'ai. C'est terre ou air, donc il y a beaucoup de gens air ou terre de toute façon sur à bas niveau. Donc sur ce je vous laisse les gars, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. De toute façon ça va se chevaucher là ces vidéos là avec les vidéos de type d'office argenté. Donc ciao les gars et à bientôt.